Ah, les necks, je fais un retour sur la machine à sous Treasure Mines. Celle-là, ça faisait une plombe que je n'avais plus testée. Alors, 1665, jolie petite performance sur le précédent jeu des Trois Mousquetaires. Bon, je vais commencer avec des mises à 10, éventuellement, peut-être augmenter les mises par la suite. On va quand même jeter un petit coup d'œil au paiement, parce que ce jeu-là, je m'en rappelle plus. Alors, gagner jusqu'à x 1000. Bon, ça m'étonnerait. Alors, trois symboles pour envoyer le run. Ok, ça y est, je m'en rappelle, avec les petites pierres précieuses à collecter. Alors, Joker, qu'est-ce qu'on a d'autre? Wild. Ok, les symboles payants, ça c'est les high symboles. Alors, on y va. Rouleau 4, rien. Rouleau 5 non plus. Voilà, on va tenter les mises à 20 balles. C'est clair que la balance elle est pas très costaud, avec des mises à 20 c'est quand même risqué. Mais bon, on va voir ce que le hasard nous réserve. Alors le troisième, il se barre sous nos yeux, il se rebarre. Et ben voilà, il s'est barré deux fois. Alors est-ce qu'on va voir le mineur? On l'a pas eu. Alors le petit dragon bleu peut-être. Alors 5 of a kind quand même. 232. Bon, bah, petit bénéfice de réaliser par rapport à la balance de départ, je rappelle, 1665. Petit bénéfice qui j'imagine ne va pas tarder à se barrer. Alors, wild plus wild plus wild égale crazy win. Alors, le bonus, il pouvait me raquer le troisième symbole. Ben voilà, pas encore, moi on est fixé. Bonus serait franchement pas mal. Eh ben non, c'est pas encore l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a après les mises à 20? Ouais, les mises à 40. De quoi se retrouver à zéro deux fois plus vite. Faire une micro tentative de spin à 40. Voilà, c'est là qu'il faudrait que les bonus se manifestent, mais bon, c'est très bien que là ça sent le leurre. Voilà, il se barre, il va, et ben voilà, il s'est barré. Alors 184. Retour sur des mises à 20, c'est un peu plus sage.
Ok, pas encore bonus. Rouleau 3, rien. Ah, rouleau 4. Allez, vas-y, n'hésite pas. Fracasse la jolie petite pierre précieuse. Allez, vas-y, t'arrêtes pas. Tu peux continuer, ça ne me dérange pas. Alors, 240, pas mal. Et voilà, rien. Ah. Oh là, on a eu le petit dragon bleu. Alors, là, ça sent le massive win. Ce qui disait... ok. D'accord. Alors, il a éclaté les 4 pierres. Bon, mais n'hésite pas, t'as du taf, là, t'as de quoi faire. Il y a 4 pierres à défoncer, donc... ça devrait ramener du joli win. Ah ben là, c'est plus que joli même. C'est magnifique, ok. Voilà pour des mises à 20 balles. Alors... là, c'est clair que ça sent le méga win. Alors, qu'est-ce que ça va raquer tout ça? Un joli montant. Eh ben ça y est, hop, on a fait péter le coffre. Alors on va voir. Ça c'est joli, ça fait de jolies performances. Alors franchement, pour des mises à 20 balles, le ratio des gains il est plus que superbe. Des fois avec des mises à 50 ou 70 balles, on gagne pas autant. Alors on va voir jusqu'où ça grimpe. On va dépasser les 1000 balles. Et voilà, super win. C'est clair que là, avec tous les jokers, ça pouvait qu'envoyer du lourd. Et ouais, 1458. Alors du coup, on booste les wins à 2658. Bon, ouais, c'est magnifique. 3777. Et ouais, 2, 4, 6, 8, 10, 12 jokers. Alors, je vais me fixer une limite à 3500 balles. Je vais encore faire quelques spins, voire ne sait-on jamais. Des fois, on a deux bonus d'affilée qui sortent sur ce genre de jeu. Puis au pire, 3500 arrêts de partie. Ouais, ça sera une jolie performance. Je rappelle, j'avais commencé à 1665, des mises à 20 balles. Je pensais pas pouvoir gagner autant de wins. Pratiquement à 4000 balles. Alors, petit lot à 40 ici. Bon, ben, il y a eu un coup de bol d'avoir eu les 3 jokers. Alors, s'il pouvait me sortir un petit triple symbole bonus entre-temps. Mais bon, je compte pas trop là-dessus, c'est bientôt arrêt de partie. 3005 limite fixée. Alors, ici, alors on va faire un spin à 10 balles. Et du coup, on va rester là. Alors, 20, hop. Bon, ben voilà, 3509, jolie performance. Donc là, je pensais pas que ça allait payer autant. Comme quoi, des fois, on peut être surpris. Mais bon, c'est ça arrive plutôt rarement. Faut quand même être réaliste. C'est pas à chaque partie qu'en tant que joueur, on va pouvoir se taper du win. Ça, c'est plutôt... le truc un petit peu rare. Bon, bah, fin de partie, petite pause. Et je manquais encore une dernière partie pour la journée. Puis on verra donc ce que ça donnera. Si Madame Chance sera là. Ou si elle sera en mode totale absence.